Attends. Ah, je préfère. Bonjour à tous, c'est Pyrux, et on se retrouve pour l'épisode 8 de Pokémon version Blanche 2. Alors, ce matin, parce que oui, j'ai fait ça le matin, donc excusez-moi pour l'avoir encore une fois, mais bon, j'ai fait ça le matin, j'aime bien. Il n'y a personne chez moi, donc c'est nickel. Je vais faire la visite de Méonville, ma douce ville, celle que je préfère, parce qu'il y a... Enfin non, je pense que c'est la deuxième que je préfère. Non, c'est là. J'aime bien aussi Parsemi. Mais c'est vrai que Méonville est quand même pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est pas vous montrer mes Pokémon, parce qu'on va pas faire beaucoup de combats aujourd'hui. Étant donné que y a beaucoup de choses à faire à Méonville, beaucoup de choses à voir, donc je préfère... Alors déjà, je vais monter le son en fait. Donc voilà. Et on va plutôt visiter la ville et faire tout ce qui est événement scénaristique pour ainsi être taquet pour le prochain épisode qui sera, je pense, l'arène de Méonville. Donc avec Inésia, la douce Inésia que j'aime tant. Bon, je dirais plutôt la petite cochonne. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu parler à tout le monde, donc histoire de voir ce qu'ils nous racontent. Tu m'as l'air d'être un dresseur, toi. Au club des épreuves, tu trouveras des dresseurs très très forts. Si tu arrives à 20 km, je t'y inviterai. Ok, donc ça c'est pour plus tard. Allô. Voilà, on va voir comment elle s'appelle, notre douce... avant de mettre... On va voir ce qu'il y a comme... Parce qu'il y a un combat à faire. Hein. On va laisser Batstep. Parce qu'il est encore un peu plus faible. Alors, elle s'appelle... L'engrenage du métro, c'est un endroit génial. On peut faire des combats Pokémon dans le métro. Mais attention, car les chefs du métro sont là pour vérifier tes aptitudes. Ils sont vraiment costauds. Ce sont les meilleurs dresseurs du métro de combat. Est-ce qu'il y a encore mieux? C'est qu'on peut s'affronter à 2 contre 2. Je trouve l'idée absolument géniale. Dis, tu ne voudrais pas être mon partenaire? Oui, je vais être ton partenaire. Merci. En fait, mon nom c'est Echo. Alors, elle s'appelle Echo. Voilà. Oh, excuse-moi. Donc, nom de merde. Je suis sûr qu'on fera un duo gagnant, plus fort que les chefs du métro même. Donc c'est parti, à nous les chefs du métro. Donc on va faire un combat double contre les chefs du métro, comme elle le dit, si bien, pour voir si on a le niveau. Alors, un s'appelle Chamal. Je conviens que se battre dans un lieu pareil est quelque peu irrégulier, mais sortir de sa routine peut être un moyen de découvrir de nouvelles techniques de combat. Shamsin, as-tu quelque chose à ajouter? Respecter le règlement, la sécurité avant tout. En route pour la victoire, attention à la fermeture des portes. il a tellement l'habitude de jouer dans un métro que... Il dit de la merde. Bon bah c'est parti. Je sais même plus trop ce qu'ils ont comme équipe. Je pense que mon niveau est encore acceptable. Hein. Alors, ouya. Ah ouais quand même. Ah niveau 26. Alors, si y a mat l'autre, on va s'attaquer directement à... Non, on va s'attaquer directement à... À Ouvrier. Histoire de, parce que j'ai un peu peur là, ils attaquent tous sur eux-mêmes, ça risque de faire mal, donc allez, vibre quoi, sur lui forcément, il a fermeté, non, alors c'est bon, s'il y a un qui attaque sur moi l'autre, c'est bon, voilà, ça fait mal, hein. Oh putain, alors, comment on va faire ça? Ah, j'ai une idée. Vive attaque. Histoire de tuer Jolite. Et on va espérer qu'il va tuer Jorifié. Hein. Donc parfait pour battre tête pour le niveau 26. Il prend mur lumière. Attends. Mais le truc c'est que battre tête n'a pour que 3 attaques. Déjà. Parce que enfin, il peut avoir que 3 attaques. Donc si je prends mur lumière, c'est pas tété. Alors, faudrait qu'il le tue. Stress énorme. Aïe 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 aïe. Il est mort. Bon, Batstep est déjà mort 2 fois. C'est problématique, hein. C'est problématique. Donc, on va mettre histoire de. Lui. Donc, voilà. Donc, Batstep est dans le rouge, on va dire. Enfin, j'ai plus le droit à l'erreur en gros pour lui. Enfin oui, j'ai le droit à l'erreur parce que je peux sacrifier un peu comme spectre, mais bon. On va essayer de plus faire le con avec. Bon, flamèche, de toute façon. Il va crever, normalement.
Ah, c'est courrier ça aussi, hein, au bruitier. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein. C'est pas dramatique non plus. Il est pas encore mort. Hein. Et si jamais il l'est, bah, je pourrais le ressusciter. Donc c'est pas trop grave. Bravo, votre Pokémon et vous, quelle combinaison! Moi, Shamsa, je viens de subir une belle défaite, mais ce fut un vif plaisir. J'espère que nous pourrons recommencer de telles parties à 4 rapidement. De telles parties à 4. Ok. Oh oui. La prochaine fois que vous montrerez, surtout venez nous voir. Non mais sérieux quoi, sur ce, en voiture. Ok. Ah, qu'est-ce qu'elle me dit ma petite écho? Quelle force! Ils ne sont pas chefs pour rien. Mais j'aimerais bien m'entraîner pour pouvoir les affronter sans qu'ils retiennent leur coup. Encore merci Pyrex, tu mérites bien une récompense. Qu'est-ce que tu me donnes? Le Magneto BS. Oh yeah! Avec le Magneto BS, tu peux enregistrer les combats avec tes amis ou dans le métro de combat. Encore merci pour ton aide, j'adorais me battre à tes côtés. Mais c'est de même, ma chère. Donc voilà, on a rencontré Echo, très cher Echo, qui est notre personnage féminin, en fait, tout simplement. Alors, qu'on va faire d'autre? Parce que, oui, on peut faire plein d'autres trucs. Hein. On va aller voir de ce côté droit. Et on va aller prendre un objet qui sera très intéressant pour la suite. Donc, on est dans le parc, je crois, ou je sais pas comment s'appelle cette partie. Et il me semble qu'il y a, voilà. Alors, cet objet, ça s'appelle le Vokit perdu. Enfin, là, il l'appelle l'objet trouvé, mais c'est le Vokit perdu. Enfin, c'est un Vokit perdu, en fait. Et des fois, comme vous pouvez le voir, bah, il sonnera. Il sonnera dans certaines villes, en fait. À certains endroits de certaines villes précises, hein, je dis bien à une case précise, le Vokit qu'on vient de ramasser sonnera. Et on a une voix. Donc là, on verra. Mouchi, mouchi! Oui, tout à fait. C'est bien mon Vokit que vous avez ramassé. Là, je vous appelle avec mon ancien appareil et c'est pour ça que vous n'avez que le son. Merci beaucoup d'avoir récupéré mon Vokit. Je voudrais passer le prendre tout de suite, mais je suis au travail. Et ça ne va pas être possible. Est-ce que vous pourriez le garder pour moi jusqu'à ce que je trouve le temps de venir le récupérer? C'est d'accord. Merci beaucoup. Je m'appelle Brenda, exactement. Et vous? Pyrux, pardon. Pyrux, c'est bien noté. Je vous contacterai dès que je pourrai trouver un moment libre. Merci beaucoup et à très bientôt. Encore une chose. Je ne voudrais pas que vous vous tracassiez de ne pas avoir de mes nouvelles d'ici à ce que je puisse récupérer le Vokit. Je vous contacterai dès... Allez Lucas, tu peux le faire. Je vous contacterai donc aussi régulièrement que possible. Au revoir Pyrux. Donc voilà, on va recevoir plusieurs fois des gens d'appel comme ça, seulement l'audio, et du moment qu'on lui aura rendu le Vokit, donc à partir de, je crois, 10 à 20 appels, je crois 20... dans 15 appels, je crois, un truc comme ça, elle va venir, elle va vous appeler, elle va vous dire, je crois 10, elle va vous dire de venir à la grande roue à Méanville et on lui donnera le Vokit et elle sera contente. Donc pour nous les garçons joueurs qui ont pris le personnage garçon, je sais plus comment il s'appelle ce personnage, vous aurez Brenda et si vous avez pris la fille, vous aurez un gars, je sais plus comment il s'appelle parce que je l'ai pas pris donc je peux pas savoir. Je me rappelle plus vraiment du nom, donc si jamais ceux qui ont pris une fille, dites-le dans les commentaires, comment s'appelle le fameux Brenda, mais en masculin, quoi. Et donc, voilà. Et... Brenda, ça me fait un peu bizarre, parce que j'ai regardé un truc une fois avec Elodie, elle m'a montré un truc avec Brenda, ça m'a un peu choqué. Je vais vous l'avouer. Donc, allez, on continue. Qu'est-ce qu'il me dit? Là, qu'est-ce que je dois faire, mon ligne? Ok. Quel homme, même au parc d'attractions, il ne lâche pas sa guitare. Oh, ce son qu'il adore la musique. Ok. Le meilleur avec les montagnes russes, c'est qu'on peut hurler. Oui. D'ailleurs, vous êtes déjà allé à un parc d'attractions. Oh yes. Comment dire? Genre Disneyland, Walibi, comme ça. Parce que Walibi, je crois qu'ils sont en Belgique, hein, il me semble. Je sais pas s'il y en a en France, de Walibi. Bah après Disneyland, bah, il y en a à Paris, il y en a en Amérique, moi je suis allé à Orlando personnellement. Donc voilà. Alors on va parler à elle pour voir, histoire de... Le vent se rafraîchit. Si je reste dehors trop longtemps, je vais encore me faire gronder par le docteur. Tiens, d'où sors-tu toi? C'est pour un combat, c'est ça? Ouais. Drôle d'idée, ils ont bien dit. Drôle d'idée de s'attaquer à une dame comme moi.
mais c'est proposé si gentiment, alors allons-y. C'est parti. Espérons qu'elle soit pas trop cheat, hein. Alors, qu'est-ce que tu as comme Pokémon? Un chinchilou. Oh voilà, un Pokémon troller, parce que c'est ce Pokémon qu'elle a eu en shiny, Rosa. Donc voilà. Un petit coucou à Rosa au passage. Oh vas-y, monsieur. Casse-couille, hein. Casse-couille, franchement. Bon, vas-y, Kizaboost. Mon Kizaboost, il est trop cheat, donc il va pas dormir. J'ai dit que tu vas pas dormir. Donc prochain tour, tu te réveilles. Sinon, fessé. Ok. Tu veux ta fessée, c'est ça? Est-ce que tu veux ta fessée? Ah, c'est... Tac. Parfait. Et encore une fois. Et c'est bon! Parfait. Alors, on a la même vitesse, hein, faut croire, parce que... Il m'a attaqué avant. Bon, ben voilà. Oh, j'ai perdu. Alors, elle, c'est un peu une cochonne, hein, il me semble. Mais vraiment cochonne, quoi. Eh bien, c'était du rapide. On dirait que je ne suis pas très doué. Pyrux, c'est bien ça? Dis-moi, tu es déjà monté sur la grande roue? La vue est très jolie, c'est mignonnet. Malheureusement, on ne peut y monter qu'à deux. Cochonne. Ah, dès qu'on parlait, là, comme ça, ça m'a donné envie d'y monter. Tu m'accompagnes? C'est parti! Non, mais sérieux, quoi. On peut le faire qu'à deux. On peut que la monter. Non, mais ça y est, il n'y a que des allusions, là. Oh, il m'a donné des coups de pied. Ça a l'air de lui plaire, à lui aussi. Là, donc, on est en train de se faire du pied, donc. Hein. On est en train de se faire du pied, non, mais sérieux, quoi. Je me sens toute chose. Il nous entend de là où il est. Je me sens toute chose. Putain, j'avais lu toute chaude. Je me sens toute chaude. Toute chose. Putain. Oh, il bouge encore. Il a dû apprécier la balade. Alors, soit il parle de moi, soit il parle de son Pokémon. S'il parle de moi... Elle devrait parler de moi, hein, parce que je suis avec elle. Hé, tu es surpris? J'ai eu le temps d'être maman. Le docteur... Ah, putain. C'est juste. Ah, je me disais qu'il y a un problème, là. Le docteur m'a dit de faire attention, mais tout ça, c'est tellement de stress. Grâce à toi, je me suis bien amusé. Merci, Pyrux. Oh, putain. C'est une maman cochonne, en plus. Oh, mais sérieux, quoi. Alors, on va voir déjà le cherche-objet, s'il y a des objets, tout simplement. Voilà, bon, il n'y a rien de bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Fièvre, rêve, glamour et rythme fou, c'est le défilé de mode. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un objet, là? Nope. Alors, ça, c'est la reine. Voilà. Alors, attendez. On va aller à la reine, on va aller voir ce qu'il y a là en bas. Peut-être avec... Ah, il y avait un objet. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais oui! Et toi, tu dis quoi? Tu viens juste de rater une superstar de la télé. Il tournait un reportage ici. Ok. Ok. On va prendre ça. Bon, ouais, désolé hein, pour cet épisode un peu... Ah, on va dire... On va rester un peu sur place, ma foi. Faut bien faire des épisodes comme ça hein, pour bien présenter quand même la ville. Parce qu'elle est grande, la ville. Hein. Et souvent, je suis pas trop arrêté. Là, cette fois, je suis obligé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oh, un challenger! Je suis désolé, mais champion est absent pour le moment, mais je sais où elle est, tout près de l'entrée du parc. Elle devrait être dans le bâtiment abritant les montagnes russes. Mais je suis allé avant là. Ah oui, 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 je vois. Elle doit être donc ici. On va y aller, tout simplement. Oula, oulala, ça va être compliqué. Ah, désolé, hein, pour les yeux. Désolé. Oulala, heureusement qu'on n'y reste pas trop longtemps. Alors, on va mettre... Base de Brasil, qui est niveau 25. Et on va se... Bah, je crois qu'on peut faire quelques combats, je crois. Alors... Oulala, mais ça pique aux yeux, tout de fou. Alors, on y va. Donc, il me semble qu'il y a 2-3 combats à faire, hein, pas plus. Donc, l'arène, normalement, c'est celle-ci. Mais elle a été déplacée pour un autre endroit, tout simplement. Alors, est-ce que lui se bat? Je suis pas sûr, hein. Je sais qu'il y en a quelques-uns seulement. Voilà. Alors, Inesia, elle a vraiment plus la classe que les autres. Ça, c'est vrai, elle a vraiment la classe. D'habitude, les champions rénovent leur arène, mais pas elle. Elle en a fait construire une nouvelle. Carrément, elle a la classe mondiale. Voilà, donc, comme je viens de le dire, elle a carrément une nouvelle arène. Donc, je vous montrerai après. Alors, on est parti pour faire un petit tour. Voilà. Donc, lui, je pense qu'on peut le battre. Même pas. Plus vite, avec... Ah, l'excitation de la vitesse. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Là, on y va, là. Allez, hop, hop, hop. Allez, allez. Voilà, là, il y a de la sœur. Parfait. Alors, comment as-tu trouvé ces montagnes russes? Je sais pas. Et en parlant de russe, vous avez aimé la voix que j'ai faite sur... avec Nikolai. Nikolai et le russe.
Donc du coup, je vais garder sa voix comme ça, que pour moi il est russe, donc ça va très bien. Et vous allez aimer. Donc c'est cool. Bianca, par contre, je peux pas changer, hein. J'essaie de faire ce que je peux pour garder sa voix de merde. Mais c'est très très chaud à faire. Tout ce qui est fille d'ailleurs, c'est assez chaud, mais bon. Je voulais faire une spéciale Bianca, mais bon, c'est impossible, j'arrive plus à hausser ma voix comme avant. Et en plus, le matin, ma voix elle est pas chauffée, du coup, ben j'ai du mal. Alors, croque-feu, mon petit chou. Tu vas prendre cher, ça je sens. Moi, je pense faire un level up jusqu'au niveau 30 dans les autres herbes à gauche de Méonville. Il y aura des noms, mais oui. Donc, je verrai bien comment je vais faire ça. Il y a aussi des dresseurs que je vais affronter moi-même, vu que c'est pas très très intéressant. Alors, on va attendre le wagonnet. Allez hop, parfait. Donc c'est vrai que la première fois sur blanc et noir on avait cette arène, on était quand même assez surpris parce qu'elle était haute en couleur, et ça bougeait, etc. Donc c'était vraiment cool. Mais là ils ont changé d'arène, ça sera encore plus en couleur, vous verrez bien dans le prochain épisode. Ça sera vraiment énorme. Alors, on arrive bientôt à la fin je crois du tour. Encore une dresseuse. Allez bien. Même les tours de montagne russe ont une fin. Eh oui. Bon je lis pas parce qu'on voit rien. Enfin, je pourrais lire parce que moi je vois sur ma DS, mais voilà quoi. Ça m'énerve que du moment qu'il y a trop de luminosité, ça pète aux yeux, c'est trop bizarre. Alors l'énergie... Ah oui, il risque de faire chier. Mais bon, moi j'ai un cheat. Alors, le caninos en question ici même, je pense que je vais le garder jusqu'au niveau je sais pas combien, parce que... Bah, il est en colère. Le truc c'est que... Je sais pas si j'arriverai à l'entraîner jusqu'au niveau 43, mais j'espère. Alors il fait chier... Donc on verra bien. Alors, bélier... Qu'il n'enlève pas trop. Un petit flamèche. Ah, parfait. Bon, vu qu'il est presque. Bon, je pense monter un niveau. Oui, tranquille. On va mettre. Rosa. Cheat, comme ça vous verrez un peu de Lucario sur le terrain. Donc finalement, il y a quand même un peu de combat. Finalement, j'ai oublié qu'il y avait cette fausse arène en fait. Alors. Tac, Rosa en avant, vite, parfait. Alors, on arrive, je crois qu'on arrive à la fin de la montagne russe et après il va nous dire, ouais, elle est pas là, il faut aller dans le je sais plus quoi, là, comment il s'appelle, le dôme ou je sais quoi. Alors, oh, tu cherches le champion? Désolé, mais elle est partie dans la nouvelle arène pour te dédommager et vous avoir fait tout ce chemin, tiens. Donc elle m'a fait un antipara, c'est sympa parce que bon, c'est une arène de type, enfin ça sera un combat de type... c'est quoi ça? Je vois rien. Ah ok. Ce sera un combat de type... une arène de type électrique, donc les antiparas seront fort utiles. Mais bon, comme j'ai dit, je fais pas maintenant. Ah mince. Ah, je fallait que je clique. Et du coup, voilà, bon bah, c'est en plus son panier hyper cher, hein, c'est pas dramatiquement abusé, hein, qu'est-ce qu'elle me donne. Elle aurait pu me donner une guérison, j'aurais préféré. Donc voilà, pour le côté est de cette ville, donc le parc, c'est fait. Donc on va ressortir et on va aller du côté gauche cette fois. Alors avant d'aller au côté gauche, on va regarder le nord de la ville. Donc ce côté c'est pour continuer l'aventure sur la prochaine route en fait. Donc de toute façon on peut pas y aller je crois, ou alors on va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas si les dresseurs sont cheats, alors je préfère pas trop me tromper. Mais alors, normalement, vu qu'on peut y aller, ben normalement les dresseurs peuvent être... Voilà, juste histoire de voir s'il n'y a pas d'événement. Donc voilà, ici je pense aussi à aller me faire un petit des petits combats et tout histoire de monter des niveaux tout simplement. On verra bien, je ferai ça moi en off parce que vous, ce qui vous intéresse c'est l'histoire, hein. C'est pas trop ce qui se passe, c'est pas trop les combats, enfin les combats c'est toujours les mêmes, hein. Pokémon ça pas que ça change. Donc il y a toujours le music hall magnifique, moi j'y vais jamais, hein, un truc de fou, ça me plaît pas du tout. Il y a le grand stade baseball et football, donc je sais plus quel jour, je pense que ça change chaque jour. Je crois mardi et jeudi, il y a différents. On peut battre en fait différents. Là-bas, c'est du baseball et football. Et ici, c'est du basketball et du tennis. Donc voilà. Selon les jours, on peut faire. Des combats tout le temps. Tout le temps disponible pour vous entraîner. Ça, c'est aussi cool. Donc j'utiliserai ça aussi, je pense. Et on va aller vers la gauche pour débloquer un petit. Je crois qu'il y a un événement à faire, à débloquer, il me semble, je me rappelle dans mes souvenirs lointains. Alors, voilà, c'est ce que je me disais. Oh non. Alors, c'est parti. Eh oh.
S'il te plaît, parle pas trop. Tu t'en viens, j'ai un truc pour toi. Oh oui, là, 16 vols, ça c'est cool. J'ai oublié ça. Ok. Tadam, la 16 vols. Si tu l'utilises en dehors du combat, c'est une capacité qui permet de vite te rendre à l'endroit de ton choix, généralement devant un centre Pokémon. Dis, Pyrrhus, tu connais les trous cachés? Je les connais, mais on va dire que non pour vous montrer. Ah bon? Alors écoute bien. Parfois, entre les arbres, tu peux trouver des trous... Pardon. Des trous où peuvent se cacher des Pokémon. Ces endroits, ça, on les appelle des trous cachés. Personnellement, je kiffe pas trop. Je kiffe pas trop, mais bon. Attends! J'ai entendu quelque chose. J'ai l'ouïe très fine, alors je suis sûr de moi. Viens voir. Donc elle va nous montrer un trou caché avec un Pokémon qui ne peut pas être changé. Hein. Celui qu'on va voir, ça sera forcément le même toujours. Alors, on va voir un trou. Donc voilà, ici, c'est en fait deux arbres qui se réunissent. Vous voyez qu'il n'y a pas de trou entre les deux arbres. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, je vais mon doigt. Alors, ici, il n'y a pas de trou. Alors que ici, on a. Donc, vu qu'il n'y a pas de trou ici, on peut cliquer entre deux. C'est ça le truc. J'ai entendu quelque chose par ici. Allez, dépêche-toi. C'est là! On dirait qu'on peut s'y faufiler, regarde. Faufilons-nous. Tiens, on dirait qu'il y a un passage praticable. Oui. Laisse tomber, quoi. Alors, oh putain, ça fait aux yeux encore. Alors, il y a un Pokémon que vous voyez pas. Il y en a un. Ah bah oui, vous voyez. Oh putain, c'est quoi ce bruit? C'est le bruit de fille. Un Pokémon! Mais c'est une gamine, c'est pas possible. Ça doit être un sacré Pokémon pour se cacher dans un endroit pareil. Quelle découverte! Quelle super top découverte! On devra fouiller les autres herbes et les autres arbres pour essayer de trouver d'autres trous cachés. Donc voilà, bon, moi je vais pas le capturer ce truc, au pire je vais le capturer après, mais pour l'instant on le laisse là. J'ai pas trop envie de le choper. Après, je sais pas si on peut le réaliser ce Pokémon, je pense pas, parce qu'il me semble les trous cachés c'est un peu spécial. Alors, ce qu'on peut faire. Alors, je peux vous parler de cette maison. Enfin, maison. De ce. Comment on appelle ça? Ce van. C'est un van, en fait. Ce camping-car. Camping-car, voilà. Cette dame, cette cuisinière, elle vous achète en fait plein d'ingrédients que vous gagnerez au Pokéwood. Parce que, en faisant des films au Pokéwood, quand vous faites des bons films ou des mauvais aussi, mais surtout des bons, on vous offrira à la sortie, si vous parlez aux gens qui est à la sortie du film, à l'entrée de la salle, si vous voulez, bah, il y aura des gens qui vous fileront des objets selon ce que vous avez fait comme bon film ou pas. Et ces objets seront utilisables au combat, etc. Par exemple, tout ce qui est bonbon rage, etc. Vieux gâteau, etc. Mais peuvent être vendus ici à prix fort. Et quand je dis prix fort, c'est vraiment prix fort. Par exemple, un bonbon rage, si vous le vendez dans un shop, je crois que c'est 50 balles, 50 Pokédollars, je veux dire. Là, on la redonne à elle, c'est 6000. 6000 Pokédollars, donc c'est pas mal, et vous gagnez beaucoup. Hein. Si vous faites tous les films, mais vraiment tous, je les ai fait tous, hein. Les films, vous avez, vous gagnez 6000$ fois environ 40 bonbons rage. Il y a les vieux gâteaux, il y a encore plein d'autres trucs, genre les MME que vous pouvez gagner, il y a les eaux fraîches, qui sont beaucoup plus rentables sur cette version. Donc là, je vois que ma Hades est au rouge. Donc on va se hâter, parce que j'ai pas envie de me foirer. Donc cette partie là, bah, je vais la faire toute cette partie, donc je vais pas avancer trop, mais je vais la faire moi-même, donc c'est pas grave. Alors ce que j'ai peur, c'est que elle s'éteigne, mais bon, je fais ce combat, je sauvegarde et après je continue. Au pire, ben vous verrez une coupure. Non, je vais continuer. De toute façon, quand c'est en rouge, j'ai encore quelques temps devant moi. Alors Rosa cheat boost. Oh oui. Donc excusez-moi si je suis pas trop excité aujourd'hui, mais bon, je vais vous présenter des trucs, donc je vais pas non plus faire toujours le con. Donc voilà. Vous allez pas me blâmer pour ça. Hein. Je fais ce que je peux. Je visite pour une fois, hein. Je fais mon touriste allemand, ouais, c'est comme ça. Parce que oui, les Allemands sont des touristes. Je rigole. Alors, Apitrini, est-ce qu'il y a une femelle? Parce que Apitrini, ouais, c'est un Pokémon assez chiant à voir en femelle. Effectivement, il l'a pas. Alors, vive attaque. Ouais. Tu vas me faire que dalle. Donc voilà, je vous ai fait le tour de mes en ville. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste. Non, on va pas faire la suite, parce que la suite c'est l'arène en fait. Et l'arène, je peux pas la faire. Je peux juste vous montrer où ce sera l'arène.
ça oui. Donc c'est parti. Voilà. Boulangère, c'est bon. Elle me fait même pas des petits pains, c'est dégueulasse. Franchement. Oui, ce sera un épisode plus court que d'habitude. Voilà. Oui, ça peut arriver. Surtout. Ah merde. Ah, j'espère que ça va bouger tout. Alors, j'espère pas. J'espère que non. Alors, on continue vite fait. Au pire, c'est pas grave, vous aurez genre 1 minute 50 de enfin, un petit peu décalé. Alors, ah oui, je vous ai pas dit. Alors, avant de vous montrer la reine, j'ai aussi une nouvelle intro. Donc, merci à Lenarax qui me l'a faite. Encore lui, oui. Il m'a fait l'intro de, sur Bleach et l'intro sur, sur Pokémon. Il compte me faire, ou je sais pas si c'est déjà, si ça sera déjà fait, dès que j'aurai mis cette vidéo. Je lui ai demandé de faire aussi, s'il pouvait, le logo, un nouveau logo pour la chaîne de la Pikshinissime, ainsi qu'un back, un background, si c'est possible pour lui. Et voilà, donc, oui, j'utilise beaucoup, ces temps-ci le Narax, mais il m'a proposé de son aide. Du coup, je lui tends la main. Et il m'aide, c'est vraiment très très appréciable. Donc merci à lui. Je mettrai de toute manière pendant environ 5-6 épisodes sa chaîne en description pour que vous voyez, vous sachiez que cette intro est nouvelle grâce à lui. Sinon, ça n'aurait pas pu être possible. Et je trouve qu'elle est quand même assez cheat. Il l'a fait tout lui-même, hein. C'est vraiment assez cheat comparé à ce que j'ai fait moi. Parce que j'avais en fait un peu copié. J'avais pris un tuto et j'avais fait mon intro. Puis il faut dire qu'elle était pas non plus géniale, hein. Je veux dire, c'était un peu basique. Le fond était dégueulasse, donc voilà. Au moins là, il y a un petit truc qui change. Sur ma chaîne, voilà. Tout simplement. Mon background, je garde par contre parce que je le trouve assez cheat pour l'instant. Peut-être qu'il faudrait que je change les dimensions. Mais bon, ça c'est tout. Pour au niveau de la chaîne. On est bientôt à l'épisode 10, donc l'épisode avec le dual. Vous verrez ça plus tard avec qui je le ferai. Ça sera donc un gars, comme vous le savez, je vous l'ai dit. Hein. C'est une fois sur deux, un gars, une fille si j'arrive. Donc voilà. Et je voulais vous dire aussi. Alors, je vais vous dire un autre truc. Ah oui, j'ai enlevé mes bagues. Je pense que je peux le dire parce que c'est un truc qui me tenait à cœur à le dire parce que franchement c'était chiant à voir les bagues, faut le dire. Et du coup je les ai enlevées. Je peux pas vous faire un sourire. Je vais pas vous montrer une photo non plus, hein, ça sert à rien. Mais durant une prochaine annonce de je ne sais pas quoi. Si je me montre, si je fais une facecam, vous verrez ça, parce que vu que je me marre beaucoup, enfin je souris beaucoup, je suis une personne qui est très joyeuse, vous verrez mon sourire éclatant. Et donc j'espère que ça vous fera plaisir, voilà. En tout cas ça me fait plaisir à moi surtout parce que c'est mes dents, voilà, elles sont droites, elles sont belles, elles sont lisses, elles sont cheat quoi, elles sont cheat à l'air boubou, je suis content de ça. Voilà, donc ça c'est dit, même si c'est inutile de ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, j'ai envie de le dire. Donc il y a un gros bruit. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Alors il fait chier. Alors c'est je sais pas si vous entendez le bruit, hein, c'est une moto. Alors donc c'est. Non, c'est pas ici qu'il faut. C'est ici ou pas? Non, je sais même plus où c'est. Alors attendez. C'était par ici, attends. Attendez, hein, je cherche. Je crois que c'est. Ah non, c'est juste, c'était là. Luca. Alors finalement j'ai pas visité toutes les maisons, hein, j'ai visité en fait, enfin les événements à faire. Parce que voilà, les maisons ça me servait pas trop. Je crois que c'est là ou bien. Non, ça c'est le métro de combat. Alors. Attendez, que je cherche. Bon, alors on va se quitter, je crois, parce que. J'y crois pas, putain. Juste à la fin. Alors, c'est le bordel. Alors, on va juste chercher. Alors. Vous avez pris de fond, hein, c'est cool comme ça. Alors, c'est pas ici. Je crois que c'est au Music Hall, hein, je crois. Ou pas. Je sais même plus maintenant. Non, Music Hall, c'est là. Merde! Ah tiens, attends, gnagnagna, je suis propriétaire de Music Hall, gnagnagna. Eh bien dis-moi, gnagnagna, il va me donner plein de trucs. Alors, ça sert vraiment à rien, parce que franchement, c'est de la merde. C'est de la merde Music Hall. Franchement, le Pokémon est 10 fois mieux. Non, il est 100 fois mieux que le... Non mais sérieux, il est pas sérieux là. Mais ça va, oh ! Ça va ou quoi ? Il s'excite. Non mais... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite se hâter. Qu'est-ce qu'il veut? Oh mais putain, il fait chier. Je donne à Rosa, allez. Ah merde, j'ai encore changé, bougé. Gnagnagna. Oh putain. Allez, j'arrive pas. Alors là, je suis en train de... Avec mon doigt de... Voilà.
Magnifique. Fini, fini. Ok. Voilà. Vous voyez même pas, en plus, c'est de la merde. J'espère que j'ai pas trop bougé. Alors, attendez. Voilà. Tac, 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 voilà, il met de la merde. Non, franchement, c'est franchement pourri. En plus, il y a ce bruit qui m'énerve dehors. Je suis désolé, hein. je suis désolé. Voilà, il est parti, ou je sais pas où il est fini, mais... Avant qu'il revienne. Bon, voilà, je peux pas vous montrer la reine, je vous montre la reine au prochain tour. Ouh là là, Luca. Au prochain épisode, je sais plus où elle est. Du coup, ça me perturbe. Ça me perturbe. Bon, c'est pas grave, c'est pas dramatique non plus. Mais il me semblait que c'était par là en plus, c'est ça le pire. Ah, attendez. Que je regarde. C'est peut-être là. Non, là c'est quoi? Je sais même plus où c'est. Ah, en fait, c'est pas où il est. Oui, je vois où c'est. C'est où j'étais avant dans le moulin. Dans les parcs d'attractions. Donc, voilà. Bon, c'est vrai, un épisode plus court que d'habitude. Je dis de la merde en plus. Donc, désolé pour ça, il y a du bruit de fond. Je suis désolé pour ce bruit. Donc, je vous dis à la prochaine et j'espère que cet épisode vous a plu. Donc voilà, alors je vous dis ça comme ça parce que un peu vite fait parce que bon, voilà, je sais plus quoi dire. Donc je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu et mangez des pizzas, c'était Pyrux. Allez, ciao à tous.